L'automédication, c'est la prise d'un médicament ou de plusieurs médicaments pris ensemble ou séparément par une personne sous sa propre initiative. Donc c'est le fait soit d'acheter un médicament en pharmacie directement auprès de son pharmacien ou alors de se servir dans sa propre pharmacie domestique un médicament qu'on avait encore chez soi. L'automédication, elle s'effectue sans avis médical et n'est pas sans risque. Il est donc fortement recommandé en cas de doute de demander conseil à son pharmacien ou encore de bien lire la notice du médicament. L'automédication, il faut toujours la pratiquer avec prudence et notamment chez certains types de personnes. Donc elle peut être à risque pour les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes âgées ou encore les personnes qui suivent déjà un traitement chronique. Pour pratiquer l'automédication, il est important d'être informé et de le faire avec prudence. En cas de doute ou de préoccupation, il ne faut surtout pas hésiter à consulter un professionnel de santé. Alors oui, votre pharmacien peut évidemment vous fournir des médicaments sans ordonnance. C'est également son rôle de délivrer ces médicaments accompagnés de conseils. Donc il ne faut surtout pas hésiter à lui poser des questions pour tout doute. Et du coup, tous ces médicaments-là, vous pouvez les retrouver en vente libre en pharmacie. Donc généralement, ils sont soit dans un rayon dédié qui s'appelle le rayon libre accès, ou vous pouvez également les retrouver derrière le comptoir. Même lorsque vous pratiquez l'automédication, vous pouvez évidemment bénéficier de conseils auprès de votre équipe officinale. Vous pouvez leur poser toutes les questions. Donc il faut bien savoir que l'équipe officinale, le pharmacien, ils sont formés pour vous délivrer les conseils qui accompagneront les médicaments et également pour vous donner toutes les informations concernant la prise du traitement, la posologie, les potentielles interactions médicamenteuses. Donc surtout, n'hésitez pas à leur poser les questions. En résumé, pour bien pratiquer l'automédication, il est nécessaire de n'acheter que des médicaments qui sont disponibles en vente libre en pharmacie, de demander conseil à son pharmacien. Il est important de n'avoir recours à l'automédication que face à des symptômes bénins. C'est pourquoi il est nécessaire d'être sûr de son diagnostic avant toute prise de médicaments en automédication. Il faut ensuite s'assurer que les symptômes disparaissent avant la fin de la durée maximale du traitement d'automédication. Et si ce n'est pas le cas, il faut absolument arrêter ce traitement et consulter un médecin ou demander conseil à un professionnel de santé.